Hey hey hey, salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode de Crooks. Crooks, j'adore ce jeu, vous savez, ce jeu de stratégie, de gestion, de réflexion pour mener à bien nos petits personnages, pour cambrioler divers et variés lieux de casse. Alors la dernière fois, on avait réussi à choper tous les ordinateurs qui sont normalement livrés dans les commissariats. Et donc là, ben bien sûr, on va arriver à la mission du commissariat, tout simplement, qui s'appelle Téléfax, c'est l'avenir. On est parti. On va s'introduire dans le commissariat pour faire circuler le faux ordre grâce à leur Téléfax dernier cri. Le commissaire a déjà fait savoir que tous les postes de police allaient être informatisés. On va juste un peu accélérer les choses. Il a déjà acheté les nouveaux ordinateurs. Il suffit de faire en sorte que la commande nous parvienne à nous, et pas au vitrier ou à l'épicier du coin. Le mieux serait de voler une voiture de patrouille pour entrer incognito par le garage, et ensuite monter. Ou pas, oui, tant qu'à faire. Ah mais d'accord, bon bah, on va devoir voler une voiture. Nous n'avons pas tout de suite nous remarquer, mais dès qu'on sera descendu de voiture, on sera exposé. Attention aux flics! Ceux qui n'ont pas abusé des donuts sont super rapides et ils peuvent se serrer en 2 secondes. Bon, d'accord. Je suis pas très... Dès que vous serez dans l'escalier, vous pourrez souffler. Donc ça, c'est la sortie. Wow. Le rez-de-chaussée risque d'être coton. Les ordres officiels sont rédigés sur des formulaires avec filigrane stocké dans le classeur près de la salle d'épreuve. Ok. De choses à désactiver. Barrière optique, garde, caméra, la totale. La porte est même commandée par interrupteur. Au moins, ce sera rapide de rejoindre l'ascenseur en repartant. Je pense que ça pourrait être une bonne idée d'inspecter cet étage. Ils doivent avoir du matos utile dans le coin. Oh putain ! Le fax est dans une pièce isolée. Avec un garde en faction. Le plus dur, ce sera d'ouvrir les portes. Il faudra vous coordonner à la perfection. Et les refermer assez vite pour que le garde ne s'aperçoive de rien. La technologie, c'est génial. Ce truc peut copier et envoyer toute une page en à peine 6 minutes. Avant de vous occuper du garde, vous devez ouvrir les portes de cette zone sous haute sécurité. Pour ça, il faudra accéder au bureau du commissaire. D'accord. Dès que vous aurez envoyé les ordres, filez à l'anglaise. Je vous conseille l'escalier près du bureau du commissaire. La sortie. Eh ben, je sens que ça va être galère. Sachant que je vous rappelle que cette fois-ci, on a 2 étoiles de difficulté. Donc les autres, c'était 1 étoile, là, c'en est 2. Là, à la limite, c'est plus simple, hein. Mais oh mon dieu! Ok. Petit crochetage. De toute façon, déjà rien que là, il va falloir. Là, c'est la phase préparatoire, hein, mais j'observe déjà. Ouais, voilà, lui, ça va être facile. Mais... Celui-là, il bouge pas. Garde rapide, marche et court très vite. Il est possible de l'étourdir de diverses manières. S'il repère quelque chose de suspect, il dévie son itinéraire de patrouille pour mener l'enquête. Il augmente la jauge de danger quand il aperçoit un voleur. S'il attrape un membre de votre équipe, le casse, c'est un échec. Ok. Donc la sortie, c'est ici. Et là, il y a un pied de biche, il y a des sous. Ça contrôle ça. Ici, on peut accéder là, en fait. Facilement, c'est juste fermé. Là, il va falloir crocheter. Ici, il va falloir crocheter. Alors, je mets un peu de temps, mais voilà, moins comme ça, je sais que j'ai besoin peut-être de crochetage. Est-ce qu'on a besoin de l'Epdokovitz cette fois-ci? Je suis pas sûre, hein. On a peut-être pas besoin de lui, hein. Si on a besoin de lui et que je le prends pas, je ne sais pas. Je préfère bien regarder ce qu'il faut. De toute façon, je pense que je ferai pas mal de coupes autant que je fasse de la réflexion.
Bon, d'accord. Et oh, premier étage, mais il y a quand même trois trucs là à gérer. Bon, alors déjà, je pense qu'on prendra pas le Covid, on comprendra Bishop, le catcher et Cléopatra. Ce sera notre équipe de choc et de chac. De choc et de chac, je dis n'importe quoi. Voyez, on va prendre Bishop, on va prendre elle et on va prendre. Alors, ensuite, toi, on va. Oui, non. Donc, ça, c'est ok. On va les équiper. Alors, je me suis gravement gouré les dernières missions, puisque quand j'ai équipé, en fait, je savais pas comment leur donner la pilule et tout. Ah, oh, c'est quoi ça? Aimant à vidéo. Mais oui, c'est vrai. Fourche Tesla, recable en 5 secondes et tableau de distribution pour activer ou désactiver. Ah, mais on en a pas besoin. Donc, tu sais, quand je donnais, par exemple, à lui les smells. En fait, je pensais qu'il les portait déjà, vu qu'il les avait dans son inventaire. Maintenant, en fait, il faut les mettre en route une fois dans la partie. Enfin, je me comprends. On va lui filer un chloroforme. Toi, ma belle, on va te filer ça. Toi, on va te filer un explosif. C'est vrai que je les ai pas utilisés du... Je sais pas si... Toi, on va te mettre le brouilleur de caméra. Alors, à utiliser ce terminal de caméra, efface les bandes vidéo en 5 secondes, ce qui réduit de 3 secondes, 3 degrés votre niveau de danger. Chaque terminal de caméra ne peut être effacé qu'une seule fois avec les bandes vidéo. Ok, Bishop, lui, va lui foutre les trucs là, et on va lui mettre une pilule. D'accord, on va faire ça. Et on va commencer, hein. C'est parti, mon kiki. Combien de fois vais-je me planter? C'est bien la première fois que je suis contente de monter dans une bagnole de flic. Vite, direction l'escalier. Direction l'escalier, ouais, cocotte. Mais alors déjà d'avance, on va aller ici. Oui. Par où tu passes? Normalement c'est bon, il n'y a pas de repère, tout va bien. Il n'y a que lui là qui va venir ici. Donc. Au travail. Il va peut-être se planquer là. Ouais. Et toi aussi. On va tester comme ça. Et lui, voyez, en fait, une fois qu'il est ici, je clique là-dessus et il va les mettre. Voilà. Et je l'avais jamais fait en fait parce que j'étais un peu bête. On y va. Ah mais ça a une durée limitée. Voilà, vous voyez, je suis un peu bête, je vous le dis. Réinitialise après 3 secondes. Une serrure à crocheter? Ouais. Viens là, mon gars. C'est quand vous voulez. Je peux pas faire ça. Ouais, je sais. Ok. Ça va pas être possible. Bah oui. Bon, ça oui. Commence bien, je le sens. Tu vas. Vas-y, mets en route. Parce que elle, j'avais oublié que je devais lui. Au moins, on récupère un peu de pognon. Et tu. Non, tu refais ça. Je vais recommencer. Coureuse parée. Et toi, tu vas là. Mauvaise idée. Ok. On a au moins récolté un peu de thunes. Hein? Mince. Déjà, je fais pas n'importe quoi. Hop. Et maintenant? Bah du coup, lui, j'ai flingué ses chaussures de ninja, mais c'est pas grave. Lui, il arrive. Logiquement, hein. L'autre, il est resté là-bas, Bishop. Je suis prêt. Ouais, je sais. Venir là. Donc, porte fermée. On peut rentrer ici. Ça s'active là-bas. Très bien. Il vient pas là, hein, de toute façon. Donc, allez. Non, 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 non. C'est quand vous voulez. Ouais. Comme ça. Et toi aussi. Hop. Parce que sinon, ils se font voir dans le rayon ici.
On y va. Voilà. Ça, c'est fait. Pas moyen. Ah oui, c'est vrai. Suis-je bête? Bon, après, elle avait une clé, hein. Mais c'est pas grave. Lui, tant qu'il voit rien, c'est parfait. Yes! Problème, c'est que on a le garde. Ouais. Une serrure à crocheter. On a le garde qui est là. Ici. Ah oui, on a un moyen de sortie, c'est là par contre. Y'a moyen! Y'a moyen. Oui? Vaste. Oui. Donc toi. Dès que lui repart, il va prendre sa petite pilule, Bishop, et on va passer par derrière. On va gérer, hein. Parce que elle, de toute façon, elle est rapide. Ok. Toi, ici, tu vas prendre ta pilule. On y va. Toi, jusque là, et toi, jusque là. On est parti. C'est quand vous voulez. Toi, tu vas là. Et maintenant. Toi, tu vas là. C'est quoi le topo? Ok, on est bon. Toi, tu continues, et toi, tu continues. Ok, lui, normalement, il devrait pas les voir, sauf quand il retourne. On va donc aller là. Non. Toi, tu vas juste... Merde. Toi, tu vas juste là. Oui. Toi, tu vas là. Tu vas ouvrir. Yes. Ça va barder. Oui. C'est bon. Première étape de fête. On est bien. C'est que de début, parce que maintenant, là, il nous faut les formulaires. La salle d'épreuve n'est ça va être compliqué là. Avant de revenir à l'ascenseur, ça peut valoir le coup de sûreté dans le coin. Mais attention, c'est pas mal fréquenté. Ouais. J'ose bien imaginer. Alors, nous arrivons ici. Nous avons lui qui est en faction comme ça. Est-ce qu'il est gros et lent? Lent et faible, il a abusé des donuts. Là on a une clé, là on a une dope, là on a une des smells, ça c'est pour catcher. C'est vrai que maintenant j'ai plus du tout de crush machin. Lui, ok, là on est tranquille, lui il va pas venir, mais par contre on a toutes les caméras. Caméra c'est ici. Ici, ça désactive là. C'est momentané. Donc il faudrait maîtriser celui-là ou quand il est parti. Ouais. Ok. D'accord. Bon alors on va aller là. Une serrure à crocheter. Je dis pas de conneries, allons-y. C'est avec lui dès qu'il est parti. On y va. Voilà, là, on est libre dans ce truc-là. Lui, il va faire son petit machin. Moi, je suis libre là. Ça, c'est les cellules. Et elles sont juste fermées, sachant qu'il n'y rentre pas. Donc, c'est-à-dire qu'on pourra, dès qu'il est ici, on pourra rentrer, aller dans une cellule. Le temps qu'il revienne, après, on ressort. Ça, on est bien. Faudra qu'on retourne ici pour ouvrir là. Parce que là, il y a un coffre-fort. Mais de toute façon, on n'a plus de... Donc ça sert à rien, en fait. Ça sert à rien. Ici, il y a quoi?
On va pas commencer à se casser le cul, aller là. Sachant que je pourrais pas ouvrir le coffre. Ici, il y a quoi? Il y a lui qui fait une faction comme ça. Là, il y a une clé. Là, il y a une petite barrière optique qui est... D'accord, donc il va falloir qu'on aille ici. Là aussi, il y a une clé. Donc ça va, on va juste gérer déjà ici. Dès qu'il est là-dedans. Donc on va aller ici. Au travail. Et maintenant? Ah non, toi tu vas aller là plutôt. Mince. Toi tu vas aller choper ça. Je suis prêt. Toi tu vas choper ça. C'est quand vous voulez. Et toi, tu pourrais déjà aller. Tu vas venir là. Vite, 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 il arrive. Donc elle, c'est bon, elle est planquée. C'est bon. C'est bon. Elle pourrait déjà, je suis en train de réfléchir, mais elle pourrait déjà aller chercher là. De toute façon, lui, il va pas la voir, hein, donc... Ah si, sauf quand il regarde là. Ma belle, tu peux aller là. Ah, elle peut pas le prendre, c'est pas grave, elle va quand même y aller. Lui, il s'en va. On va pouvoir sortir... Au travail. Dès qu'il entre. Hop. Ouais. Ah ouais, est-ce que lui... Oui. Il est où, Bishop? Ouais. Il est déjà reparti? Nickel. Ça va barder. Ouais. Puis il est... capte rien. Lui, il a rien vu, quoi. Ça y est, alors. On est tous en sécurité ici. La clé. Serrure accrochée. Oui, t'es où d'ailleurs, mec? Je trouve pas. T'es là. Tu vas prendre la clé. Si j'arrive à cliquer dessus. Voilà. Au moins ça c'est fait. Ah, va falloir rentrer là pour désactiver tout ça. Donc ça veut dire aussi qu'il va falloir lui le mettre par terre. On va avoir accès ici. Le coffre-fort, j'ai envie de dire, ça sert à rien. On n'a déjà plus rien pour crocheter. Mais de toute façon, il faudra quand même qu'on se planque. Puisqu'on aura désactivé ici, sachant qu'il y a un mec qui tombe là. Donc c'est toi. Ouais. Fois tu vas agresser notre bonhomme ici là. Pour l'instant on va le refaire, va attendre qu'il aille comme ça. Ou pas même. Vas-y tout de suite. Non, parce qu'il a bougé. Laisse tomber. Il y a des fois en fait, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à sélectionner. C'est quoi qu'il y a ici? C'est... Je pense que c'est quand il bouge. Vous voyez, j'arrive pas. En fait, parce que je pense que je fais deux coups. Ok. Donc, cocotte la joie. Ouais, alors, tu viens jusque là. Tu désactives. Bishop, tu viens là. Ah merde, il va jusque là maintenant. Allez, allez-y, parce que c'est vrai que si j'appuie pas sur play, je vais avoir du mal. Et maintenant.
On est au P. Oui. Toi, t'as tout ce que... T'as déjà plein de trucs dans ton inventaire. Crotte de bique. Donc pour la clé, pour le coffre-fort, ça sert un peu à rien. Donc, maintenant, on a accès au couloir. Ici. C'est tout un merdier, hein. Y a des sous à choper ici. Lui, c'est quoi sa ronde? Y a moyen ou pas? Non, il va falloir le maîtriser, je pense. Bah après, ici, c'est open bar. Parce que notre type, là... Ouais, j'arrive pas à aller plus loin. Ah, je vais faire comme ça. Ah non, il vient jusque là. Parce que j'allais dire, s'il s'en sort... Là, il va revenir, donc on va être en plein dans sa ligne de mire. Moins qu'on aille tous là, non, parce que lui, il va aller là. Je peux aller choper la clé. Juste pendant ce temps-là. Où est-ce que j'emmène mes mecs? Logiquement, il devrait pas les voir. Parce que là, il est déjà en train de faire un retour en arrière, donc... Par contre, il faut rentrer là. Donc à mon avis, il faudra quand même qu'on le maîtrise à un moment donné, parce qu'il faudra se crocheter ici pour choper ça. Ah ouais, son angle de vue, il passe aussi là. Après, si on se met là, on est bien. Oh! Ah merde, je l'avais pas vu, lui! La complication. Effectivement, c'est très regardé, là. Ah ouais. Par contre, là, maintenant, Bishop, tu peux aller crocheter maintenant. Vite. Oh là là, il est tellement pas rapide. Et tu rentres. Oh mon dieu, je vais rater. Eh ouais. On bouge plus. Par où? Ouais. Ouais, c'est mort. Il a pas été assez rapide. Et maintenant? Au travail. Il a pas encore été arrêté, hein. L'autre, il va se réveiller, donc on va lui remettre un petit coup de pied dans les couilles. Ah, c'est chaud ici, hein. Il est pas venu. Ah, le coup de bol de taré. Alors, non. Est-ce qu'il faut... Oh là là. Lui, il va sortir. Lui... Ah ouais, il regarde par là, hein, avec la porte ouverte. Non, la porte est fermée, donc ça veut dire que le couloir, il est free du free-free. Lui, il va pas tarder à arriver, donc on a intérêt à vite se barrer. Et on va... Oui. Elle, tu viens me désactiver ça direct, ma belle. Dépêche-toi. Oh putain, c'est chaud. Oh, c'est bon. Faudrait mieux de revenir. Oh. Oh. Merde, lui se réveille. On va le repuncher un coup. Voilà, c'est bon. C'est chaud. Démarrons. Du coup, on a désactivé. On veut dire qu'ici, on peut se réfugier ici sans problème. La porte est ouverte et pas gardée, sachant que le mec qui fait sa garde ici ne vient pas dans ce bout de couloir. Donc on est... Ici, on est safe. Et ben tant mieux, parce qu'on a le catcheur préféré. Il va pouvoir y aller. Bishop est au frais, elle est au frais. J'attends. Go. Vas-y, barre-toi. Mais c'est tendu, hein. Ok. Ça, c'est fait. Je pense que de toute façon, au niveau de la thune, on va... Voilà, on va pas... J'ai plein de clés.
J'ai plein de clés, donc je pense que je suis pas obligée de crocheter des trucs, mais voyez, je perds encore. J'ai pas encore l'automatisme d'utiliser une clé que j'ai sur moi. Alors, dans cette pièce-là, qu'est-ce qu'il y a à faire? En tout cas, ici, c'est juste fermé. Là, c'est juste fermé. Là, c'est juste fermé. Donc, c'est une planque. Donc, en fait, on pourrait rentrer. On pourrait aller dans son dos comme ça. Ici, on est sécurisé. Ah ouais, on a ce mec-là après. Lui fait un petit tour. Et il faut désactiver ici. D'accord. Ah mais ça va! Ça va, c'est safe! Enfin, franchement, je pensais à pire. Donc en fait, on va pouvoir aller... Lui s'en va. Donc c'est-à-dire que nous, là, on va pouvoir sortir. Il faut que je récupère absolument le pied de biche, là. Parce que Ninjaman... Parce que là... Là, c'est le time. On y va. Ouais, mais toi, tu peux pas encore. C'est dès que le mec part. Là, il a... C'est un niveau de synchronisation, ça va pas le faire, en fait. Il va falloir qu'on le chloroforme. On est obligé. On est obligé. Donc ça veut dire que ce sera lui... Je sais pas du tout. Je sais pas du tout parce que comme il va arriver, il va faire tac tac tac. Mais il aura pas le temps d'arriver, Jackie. Il va se cacher derrière la plante. Non. Vas-y. Tu le chloroformes ? Il peut pas. Attends. Hey. Punch-le. Direct. Voilà. On fait quoi maintenant? On fait quoi maintenant? Tu vas le repuncher. Ah, je te... Voilà. Et dès que lui, il tourne le dos. Ah non! Il va se faire avoir. Oh putain. Ah! 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 Non, je peux pas le supprimer. On bouge plus. Oh putain. Oh non. Oh, 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 oh. Est-ce qu'il va aller ici? Viens ici. Oh. J'ai dû rêver. Ouais, c'est bon. Mais merde, il s'est fait voir. Bon, en tout cas, normalement, il est safe ici. Et dès qu'il reprend... Ouais, lui se réveille. Il lui reprend son... Ok. Ah, mais ils vont être complètement désordonnés. Alors, peut-être que toi, t'as une clé. Est-ce que tu peux l'ouvrir? Ouais. Mais il faudrait que tu ailles assommer aussi le gars. Tu me diras, on s'en fiche après, hein. Ce qui compte, c'est d'aller ici. Là, tu peux y aller, là. Bah, vas-y. Ça, de toute façon. Alors, notre garde. Nos deux gardes sont de retour. Avant, il va falloir que je les gère. Ah, mais oui, je suis bête. Ils peuvent aller là. Ah, ouais, mais c'est pile quand lui il est là aussi. Coureuse parée. Coureuse parée.
Faudrait qu'il tourne le dos en même temps. Toi, prêt. Mon gars, ouais, tu vas aller là. Tu vas prendre ta pilule du bonheur, là. Non, je vais me faire encore avoir! Ah, mon Dieu, c'est pas vrai. Trop tard. C'est quand vous voulez. Toi, tu cours là. C'est quoi, le topo? Et toi aussi. Putain, vite, 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 les mecs! Oui, c'est bon! C'est bon! On y va. Allez, go! Parce que même s'il vient là, on est loin, donc il va pas nous chercher. Ok! Et quand même, je m'améliore un peu. Il nous faut supprimer... non, pas supprimer. Qu'on doit le... Lui, le... Je vais y arriver. Hein. Toi, tu vas ouvrir ça. Ouais. Enfin, ou pas, d'ailleurs, meuf. Oui. Trop tard. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Je suis suspecte. Toi, mon gars, tu vas puncher. Oh, mais à chaque fois... En fait, je clique deux fois. Ça fait que... Alors qu'un seul clic fonctionne. Ah oui, c'est vrai. Alors punaise. Ah, merde. Bah, voilà. Oui. Et Bishop aussi, vous allez là. Dépêchez-vous. C'est bon. Oh là 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 là, mais je vous jure, moi. Hein. C'est quand vous voulez. Tu peux. Ouf, prêt à en découdre. Et lui, 3 ans après, il le chope, quoi. Non, mais la blague. Je n'ai pas les compétences nécessaires. Ah non, il faut aller là. On y va. Oh non, putain. Alors, bah, du coup, toi. Au travail. Tu viens là, s'il te plaît. Oui. C'est elle qui va aller choper le truc. Ah, c'est la sortie. Ok. Et maintenant? C'est bon. Et ça, c'est temporaire ou pas? Désactive de façon permanente les interrupteurs, portes et mécanismes interconnectés. Ok, c'est bon. Donc tout est ouvert ici. Ok, la sortie s'offre à nous, les enfants. On est bien, on est bien. On n'a pas eu besoin de beaucoup de nos trucs. Où est notre garde? Ouais, il va arriver. Elle, elle va pouvoir partir ou pas? Non, il va falloir que j'attende. J'attends. Il vient jusqu'où? Non, il vient pas jusqu'à la porte. Serrure accrochée. Toi, tu vas venir là. Il vient pas jusqu'à la porte, donc on verra pas. Mais avance. Donc de toute façon, il y avait qu'une mallette là. Hein. Ouais. C'est pas grave. On l'aura pas. C'est bon, il est parti. On est free. Hop. C'est quand vous voulez. C'est quoi le topo? On est quand même suspect. Hein. Et voilà. Ouh. Ouf. Troisième étape. Je comprends pourquoi il est... La signature du commissaire. Le formulaire est prêt. Reste juste à l'envoyer. Ok. Je comprends pourquoi il est classé en 2 étoiles parce qu'il y a quand même plusieurs niveaux. Oh là 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 là. C'est la sortie là. Et alors, c'est où que je dois faire? Il n'y a pas de garde qui vient là, donc c'est en gros, c'est hyper free ici. Non, je vous crois pas. Mais il faut que... Ah oui, c'est ça en fait. Faut pour rentrer ici,
Faut quand même que j'aille désactiver là-bas. D'accord. Après, on rentre dans tout ce merdier. Parce que là, il n'y a qu'une seule entrée pour faire tout ce merdier là. Tac, 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 tac. Là, une fois qu'ils sont dedans, qu'il y en a qu'un qui est dedans, c'est bon. Ah non, il y a la caméra. Il y a toutes les caméras. Oh ouais, d'accord. D'accord, il faut désactiver les caméras. Ah, puis appuyer, d'accord. Ok, caméra, non, c'est là-bas. Ouais, bah ça va être compliqué cette histoire, hein, moi je vous le dis. Hein. De toute façon, faut tout désactiver. Mais ici, c'est on est free. Hein. Info sur les gardes. Ouais, on en a que 3. C'est... Non, mais je préférais m'assurer que j'avais bien vu ce qu'il fallait voir. Donc, on va commencer. Par désactiver ici. Bon, on va y aller par étapes. Je vais faire ça en prums, on va désactiver ça. Ce sera déjà pas mal. Donc je vais envoyer Bishop. On y va. Tandis que toi et lui, vous allez là. Bishop. Oui. Ouais. Tu vas là. Dépêche-toi avant que l'autre vienne. On est bon. C'est pas hyper compliqué, mais on l'a fait. Mais oui, mais ça me semble bizarre qu'ici ce soit free open bar quoi. Il y a même pas de caméra. Alors ? Bah alors ouais, bon, on va se servir allègrement. Hein, qu'est-ce que je te dise ? Lui il est là. Au pire, on peut aller choper des trucs là. Bah non, mais on va ouais. Aller là gaiement tous ensemble comme des. Oui. Ça me semble très bizarre. Je sais pas. Je il y a une couille dans le pâté. Donc là, on est bien. On a plusieurs trucs, des caméras désactivées de là-bas. Après, il va falloir qu'on rentre dans le bureau, ici, pour désactiver l'entrée. Ah ouais, puis... Mais comment voulez-vous ? Mais on peut pas. Ah mais je peux pas accéder ? Il y a que deux portes et les deux portes sont activables avec ça. Non, c'est là ! Oh d'accord, les enfants, je n'avais pas compris. Donc, il faudrait qu'on vienne jusque là. Au travail. Voilà. Faudrait qu'on maîtrise lui. Parce que pendant ce temps-là, on peut rentrer là. Quoique non, parce que là, on est free en fait. Sauf lui. Faudrait qu'on rentre dans les toilettes. Qu'on rentre là. Après, on peut rentrer ici, il y a de la thune. Hein. On y va. On bouge plus. Mais il est con, hein. Il l'a vu là, mais il va pas aller rentrer dans la salle. C'est pas grave. Pendant ce temps-là, eux, ils sont planqués.
Mais ouais, il regarde par là, donc ça veut dire qu'on on peut toujours pas passer. On peut pas faire non plus le tour. Mieux de revenir. Bah ouais mon gars. Il va reprendre son tour par là. Ok, bon, on est safe. Là il va repartir. Quand il va par là, on peut aller là. Il faut que je regarde où est-ce qu'il voit lui. Là, lui il voit rien. Et maintenant ? Une serrure accrochée ? Ça va pas être assez rapide. On bouge plus ! Ouais, je m'en doutais. Ils sont pas assez rapides ! Faut arrêter de pas voir. Où il est passé ? Oh putain. Je suis nul! Ah, j'ai raté! Ah. C'est pas grave, on reprend tout doucement. On souffle. On souffle. Cette mission est un peu plus chaude. Ok, bon bah tant mieux. Mais alors je sais que... Donc en fait, je pourrais pas. Va falloir que je la somme, sinon ils pourront pas passer. S'ils peuvent pas passer, lui il a pas sa pilule non plus. Donc vas-y. Oui. Toi tu peux aller là. Waouh! Ça va barrer! Je vais arriver! Alors. Il va falloir. Parce que là, j'ai mis les trois là, mais ça revient même. Enfin, sauf si. Faut que je les fasse aller. Ici. Impérativement. Ou ici. Ouais, mais la caméra ici. Non, il faut que j'aille là. C'est quand vous voulez. Ouais. Ouais, 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 ouais. Je suis en train de réfléchir. Parce que lui va se réveiller. Donc, c'est toi qui vas y aller. Parce que voilà, lui il va aller l'assommer direct. On bouge plus. Wow. Voilà. Au travail. Toi tu vas là. Ouf, je suis là. Bon. Là on a désactivé cette caméra ici, donc pour partir. C'est nickel. Bishop. Bishop, c'est le crocheteur en titre. Alors, lui, va continuer. Parce que je voudrais qu'il décrochette tout de suite ici. Lui, il est où? Il est là. Bah oui, lui, il est mort. Donc, lui, il va retaper dedans. Il va le maîtriser un peu. C'est pas ce que je voulais faire. Ça va barder. Oui. Comme ça, on le maîtrise assez longtemps pour gérer tout ce qu'il y a ici. On y va. Elle va aller là. Une serrure accrochée. Oui. On fait quoi maintenant? Ouais ma belle. Et ça. Je sais plus pourquoi ça c'est. Voilà, mais c'est tellement vaste. Toi, c'est quoi que tu actives? J'arrive à cliquer. Ah oui, c'est l'entrée là. Nickel. Il ferait mieux de revenir. Ça, c'est bon. On est chaud, on est chaud. On est chaud. Alors, du coup, oui. mon grand... Ouais, tu peux écrocheter ça. S'il te plaît. Toi, tu redonnes un coup à lui. Et quand vous voulez. Toi. Ouf.
Prêt à en découdre. Je suis en train de voir, il y a plein de clés ici dans le coin. Ici, il y a quoi? Il n'y a pas grand chose au final. Niveau thune, on n'a pas tout pris parce qu'on peut pas tout prendre, hein. Puis je les ai pas tous vus. Mais ici, ouais, on est safe en fait, on est safe jusque là. Il y a juste... Oh bah nickel, attends. Nickel. Toi, après, tu vas aller ici. Non, 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 non. Je vais y arriver. Je vérifie, mais oui, on est safe. Hein. Et maintenant? Toi aussi, tu vas aller jusqu'ici. Je suis et prêt. Bishop, tu vas aller jusqu'ici, ici. Ouais, il y a quelque chose qui cloche. Comment ça, il y a quelque chose qui cloche? Oh! On est bon. On est bon! Bishop, il est là. Scum, il est pas rapide du tout, lui. Il est très utile, mais vraiment pas rapide. Donc. Vous voyez, il va aller inspecter ailleurs, mais il rentre pas là où on est, donc on est safe! Je remets sur pause, puisque nous allons nous occuper de ce salon. Parce qu'il nous faut juste désactiver ici toutes les caméras. Et après, on pourra entrer ici. Il y a pas mal de choses à faire, là. Et lui, il va bientôt arriver. Mais je vais envoyer Alors elle. Une fois, dès qu'il est reparti. Parce que je vais essayer de pas toujours les... On est visible, par contre. Ça craint. J'ai pas envie de tous les massacrer, les mecs. Ah, il y a des sous. Je l'ai pas vu. Venez, j'allais passer à côté. Il s'en va. Nickel. Je ferais mieux de revenir. C'est bon. Lui reprend son tour de garde. Ok. Yes. On est bon. On est bon. On peut passer. On peut rentrer par là. Mais ouais, bah il va falloir maîtriser lui. Elle repasse par là. C'est nickel. Du coup, lui. C'est bon. Je suis en sueur. T'as rien vu, mon gars? Tu vois pas que c'est rouge, que c'était vert il y a 2 secondes? Lui, je vais le faire venir. Comme ça. Au travail. Tranquille. Tranquille, Emile. Pourquoi c'est blindé ici? Ouais. Ah ouais, parce qu'en fait, c'est pour les sous. Non, c'est pas très grave. Ça, on a dit qu'on s'en foutait au final. Dès qu'il revient, lui, on l'agresse. Ouais. Si. On est bien, on est bien. Au niveau des autres gardes, il y a lui qui peut poser problème, mais on va envoyer Cléopâtre. C'est Cléopâtre qui va tout faire. Ouais. Bah, on va attendre parce que là... Oui, j'ai le QX sur la bonne. On est OP. Tu peux aller là, ma belle. Alors, ah ouais, il faut qu'il soit 2. Désactivé. Non, c'est tout est ouvert. Je crois que c'est bon. Mauvaise idée. Ah, d'accord. Donc, il faut qu'il soit 2. C'est quoi le topo? Donc je vais devoir envoyer Bishop la biscotte là. Bon ben, vas-y tout de suite hein, gars. Dépêche-toi. Toi, repunch-le parce que sinon... Oh, il est tellement lent. Je suis arrivé.
qu'il soit... Hop et hop. On y va. Donc toi, tu fais ça. Ah putain, faut qu'il soit 3. Ah non, mais ouais, mais ça va être compliqué, là. Ça, ça active que ici. Mais lui, il faut qu'il... Mais comment je vais faire? Ah ouais, c'est chaud. Parce que... C'est... Ah ouais. Je suis obligée. Lui, il a tourné le dos. Et ben, maintenant, mon gars, tu vas devoir aller avec tes potes. On fait quoi maintenant? Vas-y. Ok, donc oui. Bishop, tu vas réactiver. Toi, tu vas aller là. Bishop, tu vas réactiver. Ça va barder. Et toi, tu vas activer ça. On est bon. On est bon. Il y a juste un truc que je regarde, c'est son tour de garde à lui. Ouais. Il faudrait peut-être que toi, tu viennes désactiver pour que... Voilà. Je vous jure, hein, c'est stressant. Mais j'adore ce jeu, vraiment. On est bon. Restez plus qu'à se barrer. Il y a un souci. Bien fait. Vite fait, bien fait. Ben, tu viens là. Là, c'est le jeu des chats et de la souris pour l'instant. Donc c'est à lui. Ouais. Tu actives ça. C'est quand ça, vous voulez. Elle te rejoint. Ici aussi. Au travail. Bishop, tu peux réactiver là. Et ils sont bons. Et maintenant. Ok. Ah, on est bien, on est bien, on est bien. Maintenant, faut juste qu'on se barre et c'est ici. Alors, lui va revenir. Le mieux, c'est de... Quand lui, il repart là, on file tous. On file tous. Au pire, on se met dans les chiottes. Si on n'a pas le choix. On va laisser revenir et inspecter. Dès qu'il tourne le dos, on ouvre la porte. On est au bien, on est OP, on est OP, on est OP. Lui, il arrive par contre. On va tous aller dans les chiottes. Oui. Allez les enfants, dépêchez-vous, 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 dépêchez-vous. Je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. Oui, 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 oui. Yes. Mais par contre, s'il vous plaît, planquez-vous loin de la porte. Waouh, putain, c'était tout juste. Une petite seconde. Ah, merde, lui, il y va. Non, 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 on est bien, on est bien. Lui, il voit la porte du coffre ouvert, il est tranquille, quoi. Lui, il repart. On va tous, alors donc, aller ici. Normalement, quoique, il va le voir, peut-être. Je connais pas son manque de vue. Ouais. Allez, ouf. Je suis prêt. Ouais, je sais. Ça va barder.
Allez-y, les enfants. Et j'ai bien fait de décrocheter avant. Oui. Elle va y aller direct. Comme ça, c'est fait. Oh, bah lui, je suis obligée de le maîtriser encore, le mec, hein, parce que... Sinon, on n'aura jamais le temps de partir. Wow. Oui. Prêt à en découdre. Tiens, tu viens là. Ça va barder. Ouais. Allez, go. Eh non, mais je vous dis, là, c'est le stress. Le stress. Mais j'ai réussi. En une heure. Moins d'une heure. 21 minutes de jeu, mais 40 minutes de réflexion. Bon, j'ai pas eu tous les sous, je suis invisible, mais franchement, il était chaud et j'ai raté qu'une fois. Je suis vraiment fière. Franchement, là, je suis très contente. Mais vous savez pas à quel point j'adore ce jeu, c'est vraiment un truc... J'adore. Ou par contre, en pot de vin, bonjour, quoi. Vraiment, j'essaye les trucs des caméras la prochaine fois, parce que... On a 22 000 voilà. Alors, nouvel outil disponible, destructeur de capteurs. Très bien. Carte de la ville. L'ordre devrait être distribué d'ici demain matin. Dans quelques jours, les premiers camions de livraison viendront chercher les ordinateurs. On a bien fait de tout tamponner à l'encre rouge. Ça veut dire urgent, ordre du chef, un truc comme ça. Quand le grand Manitou l'ouvre, on l'écoute. La hiérarchie, c'est batte. Ça me rappelle la fois à Montreuil où on s'était infiltré chez un arbitre, enquêtez-moi. Pour pipoter un match, vous vous étiez fait la malle avec quoi? 30 000 brosoufs? Je suis pas fier de ce qui s'est passé avec les bookmakers après ça. Enquête non plus. À partir de là, on a juré de toujours rester... comment on dit fair play. Comme le pari entre les toits? Pile poil. C'est moi le cerveau de cette affaire. Tu te souviens? Mais oui, Rufus, si tu veux. Enfin, si jamais Rocket pose la question. C'est toi qui as tout planifié. T'inquiète. Alors, Rocket, oh, c'est sa sœur. Partie du plan, c'est fait. Mais pas le temps de jacasser. Vous avez encore du pain sur la planche. Il y a Sophie un peu partout, en fait, dans ça les... Ça tombe bien, la bouffe de la prison me manquait. Mais on l'a pas encore débloqué. Ok. Ah, la stratégie Miranda, qui est donc difficulté 2, au musée d'art moderne. Au musée d'art moderne, vous allez échanger la pierre de lune contre une réplique, déclencher l'alarme et attendre la police. Cléopâtre s'échappera discrètement avec la pierre et Meurès se croira débarrassé de vous. Donc on va devoir se faire avoir. J'aime pas cette idée, moi. Alors, la compétence de Lobkowitz, débloque la source de bruit, déverrouille challenge, porte ouverte. Récompense 10 000. Eh ben, c'est parfait. En tout cas, pour ce prochain défi, moi, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de Crooks. J'espère que ça vous aura plu. Et moi, j'ai adoré, vraiment. Je kiffe ce jeu. Je suis ravie pour le peu qui coûte, vraiment, genre dans les 2 euros, hein, si j'exagère pas. Donc, vous pouvez vous l'acheter. Ça coûte vraiment que dalle. Et en tout cas, moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Crooks ou des Sims ou d'autres choses. Je vous embrasse. À bientôt, salut !